Il était une fois une vaste région d'altitude inférieure au niveau de la mer. Afin de faciliter l'écoulement des eaux, les habitants creusèrent de multiples canaux. Par la suite, ces divers plans d'eau ont attiré les rats qui ont proliféré grandement. Les habitants ont donc eu recours à une méthode étonnante mais efficace, introduire un prédateur aux dents acérées, le brochet. Allons donc traquer les brochets des polders hollandais. Durant ce séjour, j'ai été accompagné de deux personnes, Guillaume et Bruno. L'objectif était clair, prendre du plaisir et prendre du poisson. Attends, bouge pas, j'arrive. Je te regarde. Ça annonce, alors moi je regarde. Montre-nous. Oh, bien vu ça. Dommage, bien joué ça. Putain, il était joli en plus, non? Ah, j'ai 70. Wow. C'est incroyable, mec. C'est fou. Bien, gros. Bien vu, ça, mon Guillaume. Bien joué, ça. Yes, petit brochet, pris dans mes pieds avec le Blasbone. Ça fait plaisir, magnifique. Ouais. Premier poisson des polders hollandais. Ça repart. Ça. Oh, il a la tête dans le. Ouais. C'est bon, il est reparti. Il avait la tête dans la vase, c'est bon. Il est reparti là. Bien joué, mec. Check. C'est bon, ça. Spinner.
Durant la matinée, on aura pêché des spots vraiment, vraiment splendides, mais malheureusement, les poissons ont été vraiment très, très, très compliqués. Sur la fin de la matinée, Guillaume arrive à quand même faire un petit poisson sympa, donc ça fait vraiment plaisir et c'est encourageant pour l'après-midi. Bon, tiens-moi ça, Brebru, tiens-moi ça, je vais l'épuiser. C'est pas le même. Bon là, les leurs, Ilex. Bien joué. Allez, viens. Merci. Snook, yes. Yes. Nickel. Super. French kiss, French kiss. Yes. Bien joué. Nice. Poisson en décroché. Il m'a pris dans le nénuphar. Mais en même temps je suis en texan et tout pour passer. Vas-y, pêche, pêche. Il était pas. Hein? Tu l'as piqué ou pas? Ouais bon il l'a piqué. Il était pas vilain en plus hein. T'as vu les remous? Ah ouais mais en texan ça pardonne pas. Surtout je l'ai pas trop ferré parce que j'ai hésité. Bah ouais mais j'ai pas senti. Hein. Ah ouais? Bah tu sais j'étais en plein dans le nénuphar. À un moment je donne un jerk et boum j'étais pendu, du coup bon, j'ai pas... Déjà, il donne une petite indication. On va pas se plaindre. Carrément. On a fait 50 mètres de garde. Ah je suis content. J'aurais vu ça. Attends je vais te le chercher. C'est bon t'es sûr? Ouais. J'aurais vu ça. Bon bah voilà, un petit poisson en direct des polders. Pas un monstre mais une belle attaque dans les pieds. Touche bien, bien sourde au spinner. Donc ça fait trop plaisir franchement. Je venais de louper un poisson juste avant. Et sur la même zone Bruno ouais, il nous fait. C'est le même, hein. Ouais ça se peut que ça soit le même. C'est pas impossible que ce parce soit. Parce que le même. Je l'ai pas, à mon avis, il a pas dû se piquer énormément vu que je l'ai perdu, je l'ai tenu à peine 2 secondes. Ouais. Donc là un Crazy Crusher avec un Magic Slim en trailer. Magnifique. Et puis voilà. Bien joué. Allez. On va repartir grandir. Dion, parti direct. Impeccable. Bien joué mon pote. Ça fait plaisir. Bien joué beau gosse. Merci. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et voilà, ce poisson aura été le seul poisson en fait de notre deuxième spot. On aura passé quand même pas mal de temps sans grand résultat. J'en profite pour passer une petite parenthèse, donc Bruno est ambassadeur chez les marques Ilex et Gunky, donc n'hésitez pas à aller lui parler en message privé sur Insta ou sur Facebook, je mets tout ça dans la description, il sera ravi d'aller vous conseiller sur les produits de ces gammes-là, puis voilà, il a pêché qu'avec ces produits-là en Hollande, et donc il sera vraiment ravi de vous apprendre quelques tips et vous donner ses conseils, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Là maintenant, on se retrouve pour le troisième spot qui a été vraiment l'élément déclencheur de cette journée.
Poisson. Super. Joli. Super. Vraiment joli, je sais pas, mais j'avais vu chasser, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que j'avais vu chasser. Poisson, Guillaume. Pouh, yeah. Ça y est, le premier. Bien joué, gros. Putain, c'est plaisir, ça. Ah, je suis même une touche toi. Un peu bizarre, mais je suis content. Je l'ai ça vu. Y est, le bleu. Trop content. Bon, voilà les gars, mon premier brochet de polders avec un petit chatterbait. Jackie Slug 150 sur un chatterbait en 10 grammes. Piqué, j'ai même presque pas senti la touche. Il va les piquer bord de gueule. Un petit peu d'herbe. Et on va le remettre à l'eau. Voilà, brochet tout foncé. Il est sur un substrat vraiment, vraiment foncé. Donc il prend la couleur du fond. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Hop. Il a la tête dans le. C'est bon. Il est juste là, il repart. Il a un peu de mal. Ah, c'est bon, il est reparti, il est juste là. Bien zébré. Il repart tranquillou. Ça fait plaisir. Ouais, peut-être aussi. Hein. Plus trop de soleil, un temps couvert. Oh, une perche. Une perche qui a pris mon shutter. Ouais. Elle faisait 20, 25. Elle a juste pris mon shutter, je l'ai vu. Elle a tapé la queue de mon shutter. Bien vu ça, Bru. Bien joué, gros. Un coup de puise. Wow, derrière. Prends-le. Oui, poisson. Il a pris dans mes pieds, gros. Il est balèze. Enfin, il est balèze. Wow, gros, je l'ai vu suivre. Comment t'arrives? Bravo. Et gros, je l'ai vu suivre. Il suivait, il a fait comme ça. J'ai fait une accélération à l'arrivée, il a fait boum. Wow, je suis trop content. À quoi? Le spinner? Spinner. Jackie Chat de plus spinner. Et voilà, les gars, un brochet. Qui m'a pris juste dans mes pieds, il suivait comme un. Bah, il suivait en linéaire comme ça, j'ai accéléré le spinner et là, boum, il a fermé la bouche dessus. Un spinner avec un Jackie Chat en guise de trailer, un Jackie Chat 110. Hop, c'est piqué dans le creux de la. Enfin, dans le cartilage là sur le côté, dans le coin de la gueule. Bon, bah voilà, c'est décroché. Et je vais le remettre à l'eau tout de suite. Il a un peu de mal. C'est bon, il reprend tranquille ses esprits. Il a un peu de mal. Bon, normalement c'est bon, il va repartir. Merci. Wow, il m'a attaqué dans mes pieds. Ouais. Je faisais un 8, il m'a attaqué. Il a pas été piqué. Non. Par contre, il est parti.
Ouais. Poisson. Il est gros. Il est joli. Tiens. Enfin, il est joli, je sais pas, mais je sais pas, je dis ça. Il m'a encore pris dans mes pieds. Encore. C'est joli ça. Bam. Il m'a pris dans mes pieds comme un fou. Il est sorti de sous l'arbre là, ouais peut-être. Il est sorti de sous l'arbre juste là. Là. Et voilà les gars, troisième brochet des polders hollandais. Il m'a pris dans mes pieds, toujours avec le même spinner, avec le petit jackisha de. Voilà. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Bon, c'est un peu haut, ça va être la galère. Hop. Bon bah il est reparti, il a été amorti par les herbes, c'est un mal pour un bien je pense. Yes. Oh derrière il est joli. Il est joli. Prends-le. Putain il est juste à mi-pied. T'as vu. Mais là. Oh, t'as vu ça gros. J'ai pas une passe. Vas-y. Ouais j'ai chier gros. Chier dans la colle. J'y arrivais plus à rien. Il était offert sur un plateau, j'ai réussi à le louper. Putain. Bah ouais. Poisson. Décroché. Oh là là. Un gros? Non, petit. 50. Cette zone aura été vraiment prolifique et m'aura permis de prendre mes premiers brochets des polders hollandais. C'est donc avec confiance que nous allons continuer sur cette zone pour le coup du soir. Coup d'épuisette ? Hop ! Bien vu ça ! Bien joué ça mon bru ! Check moi ça ! Ah le c'est flair. Bon ça ! Le flair ! Et ouais, bien vu, t'as bien vu ! T'as bien joué ça ! Bon bah voilà, on est sur un coup du soir, donc là la luminosité est vraiment descendue. On a sorti l'artillerie lourde, donc les nouvelles tailles de Blastbone en 150 pour son coloris Muddy Water. Donc super adapté pour les eaux hollandaises un peu tourbles. Et voilà les résultats. Allez. Bien joué mon pote. Et voilà. Nickel, bien reparti. Check ça mec, bien ça fait trop plaisir. Trop plaisir, vraiment. Il aura fallu rien lâcher aujourd'hui. Rien lâcher. Et oui. Et jusqu'au bout. On pensait que l'activité des poissons était arrivée à son apogée et allait retomber petit à petit. Mais vers la fin de la session, Bruno m'a signalé un poisson qui avait tapé dans son leurre mais malheureusement pas piqué. Donc je suis venu juste à côté de lui pour filmer l'action. Et par chance, le poisson est revenu. Bien vu ça mon copain. Je vais essayer de te mettre le coup d'épuisette du seigneur. Je vois pas où il est. Et puis je vois. Allez, rentre dedans. Il est dedans. Non, il n'est pas dedans. Allez. C'est bon, il est dedans. Sérieux? C'est bon, il est dedans.
2 mètres et pistier. Oh, il est lourd. Il est là. Et bim. Lâcher de brochet. 1 kg, 2 kg, je sais pas, 1 kg 5. Magnifique. Poum. Ça, c'est bon ça. Yes.